Salam alaikum, Azoul, bonsoir. Nous ne parlerons jamais assez, jamais suffisamment, des athlètes algériens en situation de handicap qui ont participé aux Paralympiques et qui ont ramené à l'Algérie 12 médailles entre or, argent et bronze, en plus d'avoir battu 2 records mondiaux. Nous n'en parlerons jamais assez pour tout leur mérite, mais aussi pour toute cette ingratitude de ce régime qui les a traités par-dessus la jambe, qui les a méprisés, qui les a humiliés et qui a en fait montré la véritable et habituelle façon avec laquelle ils traitent cette catégorie de nos compatriotes. Précisons certaines choses très importantes et qui rendent encore plus méritoires ces grandes victoires. Les athlètes algériens en situation de handicap, comme tous leurs autres compatriotes handicapés, vivent dans des conditions littéralement infrahumaines. Rappelons que l'indemnité qui leur est allouée pour vivre oscille entre 3 000 dinars par mois pour les personnes dont l'incapacité est de 80% et 4 000 dinars par mois pour celles dont l'incapacité est de 100%. Autrement dit, entre 15 et 20 euros par mois. 15 et 20 euros par mois pour vivre tout un mois, et généralement pour toute la famille. Selon les chiffres communiqués par le régime algérien, le nombre total des personnes handicapées est d'environ 2 millions, environ, nous disent-ils. Le terme « environ » figure sur les statistiques officielles de ce ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. Vous aurez bien sûr remarqué ce très bizarre intitulé de ce ministère et vous aurez compris dans quel mépris ce régime tient les handicapés, la solidarité nationale et la condition de la femme. Un ministère fourre-tout, au budget ridicule, aux prérogatives quasi nulles et qui ne sert que de décorum pour laisser penser que ce régime pratique la solidarité à l'endroit des plus faibles. Et sa conception de la faiblesse est très particulière puisqu'il y inclut la condition de la femme. Mais en réalité, ce chiffre de 2 millions d'handicapés environ ne concerne que les personnes dont l'incapacité varie entre 80 et 100%. Les autres, ceux qui ont moins de 80% d'incapacité, sont plus de 4 millions. Donc personne ne parle, qui ne touche aucune forme d'indemnité ni une quelconque indemnité de solidarité, ni une quelconque prise en charge. Pas même cette honteuse indemnité de 3 000 dinars, 15 euros par mois. Alors, pour montrer l'ampleur de cette catastrophe et donner une idée du pouvoir d'achat que peut permettre la somme de 3 000 dinars par mois, posons-nous juste la question de savoir comment une famille algérienne peut vivre avec 15 euros par mois quand on connaît le prix des produits de consommation en Algérie et qui sont à peu près aussi chers que dans les pays où s'échangent, où les gens dépensent de l'euro. Je vais donner un seul exemple, la sardine. La sardine coûte 5 euros le kilo en France et elle coûte plus
de 1200 dinars en Algérie. C'est à peu près l'équivalent. 1200 dinars, c'est à peu près l'équivalent de 5 euros. Rappelons aussi que ces millions de personnes handicapées ne disposent pas, ou presque pas, ou pas du tout, d'équipements spécialisés, en plus d'être totalement dépourvus d'aménagements spécifiques. Mais revenons à nos athlètes handicapés. Ils sont réellement livrés à eux-mêmes. Et les conditions dans lesquelles ils s'entraînent sont réellement choquantes. Et on se demande comment ils ont fait pour pouvoir se mettre au niveau d'une compétition mondiale et remporter 12 médailles. Regardez. Pourtant, et c'est là tout le mérite de ces athlètes hors pair, et que malgré l'environnement atroce dans lequel ils évoluent, malgré l'atroce discrimination sociale qui les broie chaque jour que Dieu fait, malgré la misère sportive dans laquelle ils baignent, ils ont réussi à rapporter 12 médailles pour l'Algérie quand les autres athlètes en bonne santé n'ont pas rapporté une seule médaille, serait-elle de bronze. Donc, en toute logique, à leur retour au pays, ils auraient dû être accueillis avec tous les honneurs par les plus hautes personnalités du pays. Pourtant, et pour confirmer dans quel mépris ce régime les tient, regardez comment ils ont été accueillis. Regardez. Thank you.
Algérie, les athlètes paralympiques humiliés par le régime. Et c'est le titre de l'émission d'aujourd'hui. Et les images que vous venez de voir, nous avons rajouté à celles de cet accueil absolument méprisable du régime, de ses compatriotes par le régime. Nous avons rajouté la vie de tous les jours de nos compatriotes en situation de handicap. Et vous n'avez rien vu, parce que l'Algérie est parmi les pays où les personnes en situation de handicap, les personnes à mobilité réduite, sont les plus maltraitées de la planète, parmi. À la limite, les autres pays ont peut-être l'excuse de la pauvreté. En Algérie, dans ce pays, on vient de dépenser 1 000 milliards de dollars. C'est compatriotes qui sont au nombre de 6 millions, qu'on ne vous trompe pas, et non pas de 2. Les 2 millions qui ont été communiqués par le régime ne concernent que les personnes en situation de handicap de plus de 80% d'incapacité. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Idir Ounouren, analyste politique. Idir, merci d'être là, malgré votre état de santé, je le rappelle. Oui, je merci rassure, beaucoup. Hein, j'ai une petite pharyngite. Je salue toutes les téléspectatrices et téléspectateurs avec une mention spéciale pour mon ami là-bas, très loin, dans l'océan Indien. Ah, ben là, notre salut aussi. Ah ben parfait. Brahim Younsi, cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être là. Merci de m'inviter de nouveau. Bonsoir. Merci, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir à Idir. Et je vous laisse annoncer mon ami à droite. Karim Naït Ousliman, qui nous revient de congé, tout frais comme un gardon, militant politique. Karim, merci d'être avec nous. Bonsoir, Djemeldine. Merci bonsoir. De l'invitation. Bonsoir à Idir, d'Abrahim, à toutes Karim. Les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent. Merci beaucoup. Alors, mes chers amis, je vous laisse en parler, sans plus de... Alors, votre réaction à ce qui vient de se passer. Personnellement, moi, je suis très sensible à votre édito aujourd'hui, qui a tout dit, c'est-à-dire du mépris, à la condescendance, à considérer les handicapés de notre pays comme vivant dans une espèce d'infra-humanité. Vous avez tout dit. C'est vrai que le retour de nos médaillés, ou de toute la délégation, parce que... pas reprendre Coubertin, l'essentiel c'est de participer, mais le fait qu'il y ait eu 4 médailles d'or, c'est pas rien, il y a eu 2 records du monde, on s'attendait un petit peu, on aurait attendu qu'il y ait, pas la fanfare, mais presque, au moins pouvoir les accueillir dignement, et ce qui m'a bouleversé, c'est quand je voyais cet athlète monter de dos dans le bus, un pays aussi qui fut riche, parce que aujourd'hui, on reviendra sur la planche à billets, on reviendra à cet État qui est contrefacteur, puisqu'il nous fabrique de la fausse monnaie. Je trouve ça... je ne peux même pas le qualifier, parce que à la fois j'ai mal, à la fois j'ai de la douleur, à la fois j'ai de la colère. C'est la faillite de l'État dans toutes ses dimensions. Il aurait coûté quoi que le secrétaire général ou chef de cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports, avec le président de la Fédération Handisport, je ne sais pas s'il y était ou pas, je n'ai pas toutes les informations, et qu'on puisse les accueillir dignement à la mesure de leur exploit. Alors que les autres athlètes qui ne sont pas en situation de handicap n'ont pas ramené une seule médaille. Oui. L'Algérie, avec ses compatriotes paralympiques, ils sont classés 29e mondial, 29e sur tous les pays participants. Deuxième en Afrique, 12 médailles, 4 en or, 4 en argent, 4 en bronze. Ça, c'est un bilan extrêmement positif. Et ouais. Puis, en fait, j'ai rien à dire, vous avez tout dit dans l'édito, c'est à la fois du mépris, mais on reviendra probablement sur la situation des handicapés. On va en parler. Mais qu'est-ce que vous pariez, Idir, que M. Tebboune et les autres vont rattraper maintenant? Parce que le Maghrébi en a beaucoup parlé, les réseaux sociaux en ont beaucoup parlé, certains journaux libres aussi. Qu'est-ce que vous pariez que maintenant ils vont sortir le grand jeu? Je vais vous dire une chose, on est dans la gabégie, on est dans l'improbable, on est dans les incertitudes, on est dans des politiques mal pensées ou pas pensées du tout. C'est le fiasco total, le pouvoir n'est même pas incarné, on a une crise des institutions, la preuve, c'est une preuve vivante.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Plus bas, on ne peut pas. L'essentiel, c'est que moi, j'espère justement que cette jeunesse puisse prendre le destin du pays en marche pour l'emmener, pour au moins essayer de quels que soient les moyens qui seront utilisés, une rupture soft, peu importe. Mais ça ne peut plus continuer comme ça. Nous arrivons à un seuil de tolérance et nous ne pouvons plus éponger ce genre de choses. Voilà. Vous avez la parole. Hein. Ah bon. Un État, une société, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa religion, quelle que soit son orientation idéologique, quoique sur l'orientation idéologique, je vais en dire un mot, se juge sur la place qu'elle fait aux plus faibles et singulièrement aux handicapés. Bien sûr, vous avez dit dans votre éditorial ce qu'il faut dire, et dire vient de dire ce qu'il faut dire également sur le plan, j'allais dire, infrastructurel. Mais cette question est à la fois politique, idéologique, philosophique, bien sûr, ontologique. Pourquoi idéologique, Mme Munsi? Parce que les nazis, je vais parler d'eux. Ah, d'accord. Je vais parler d'eux. Parce que les nazis, oui. C'est une question aussi sociologique, anthropologique. Le pouvoir illégitime d'Alger a montré, par le mépris qu'il a manifesté à l'égard de héros de la nation. C'est des héros de la nation. Il les a reçus avec un mépris, c'est-à-dire pas reçus du tout. Oui, non, il ne les a pas reçus du tout. Bon, avec un mépris plus qu'inadmissible, parce qu'ils participent, à mon sens, symboliquement, de ce que les nazis ont fait. C'est-à-dire... À la limite, les nazis étaient un peu dans l'eugénisme. Ça veut dire considérer que quiconque n'est mais pas normal n'a pas le droit de vivre. C'est presque la même chose. C'est symboliquement, pour moi... Enfin, quand je dis quiconque n'est pas normal, dans les critères nazis... Voilà. Justement, il y a cette question aussi des normes, y compris chez nous. Alors que ça devrait être le contraire. Oui. Il y a un soulassement, quelque part. Donc, cela, manifestement et symboliquement, participe à une espèce de d'épuration, d'exclusion d'une catégorie de la population. C'est vrai que cela vient de loin pour arriver jusqu'aux nazis. Oui. Platon déjà parlait, se posait la question de savoir si la vie méritait d'être vécue dans un corps en loque et en ruine. Beaucoup de philosophes, d'ailleurs, y compris ceux que nous citons tous souvent et qui nous ont appris la méthode et d'autres choses encore, je ne vais pas citer seulement Descartes, qui plaçait le handicapé ou la bête, au-dessus du handicapé. Descartes, Pascal, relisez-les, qui plaçait la bête au-dessus de la personne en situation de handicap. C'est dire que ça vient aussi de loin. Mais ça peut arriver à tout le monde. Les nazis ont exterminé plus de 300 000 handicapés. Oui. C'est-à-dire que l'idéologie... En plus de la stérilisation, L'idéologie du pouvoir, du régime en place vis-à-vis des handicapés, c'est une idéologie qui participe du fascisme et du nazisme. Par ce rejet flagrant, ce mépris flagrant qui nous est fait à tous. Parce que nous avons dans nos familles des handicapés. Oui.
Et ça peut arriver à tout le monde, de devenir une personne en situation de handicâm. Un de mes frères, les personnes en situation de handicâm n'aiment pas trop qu'on dise handicapé. Ils préfèrent personne à mobilité réduite personne en situation de handicap. Oui. Je le dis, hein, ça veut dire. Oui. On me l'a fait tout à fait la remarque donc, par téléphone. On les a traités, c'est vrai, oui. mais quand même. Ils ont été traités, aussi bien les hommes que les femmes, de sous-hommes. Mais Brahim Younsi. Alors qu'il revenait avec 4 médailles d'or et 4 médailles d'argent. 12 d'argent et 4 médailles de bronze. Et 2 records mondiaux. Et ils ont fait hisser le drapeau national. Oui, 12 fois. Malgré ça. Oui. En tout cas, 4 fois, avec les médailles. Même bronze, il est hissé sans l'hymne. Oui, voilà. Hein? Oui. Ils ont fait jouer l'hymne national et ils ont fait hisser le drapeau national. Oui. Et malgré cela, on les accueille dans des autobus pas aménagés, pas d'accueil. Vous avez vu comment ils s'entraînent, comment ils se déplacent. Ils ont d'autant plus de mérite. Oui. Tout à fait. D'autant plus de mérite. D'avoir rapporté des médailles d'or dans des conditions pareilles. Ce pouvoir déshumanise tout, finalement. Et franchement. Karim ? Je pense que vous avez dit beaucoup de choses sur ces images et je suis tout à fait d'accord avec notamment Brahim lorsqu'il parle de l'idéologie et de cette histoire. De cette vision fasciste, nazie plutôt, de la condition des personnes à mobilité réduite. Mais après, la philosophie aussi par la suite a évolué, et je ne sais plus à partir de quel moment il y a eu un basculement qui s'est fait, et je vais en parler par la suite parce que ça sera mon deuxième point, et ça sera le point positif dans ce que je vais dire. Oui, parce que ces images, je vais peut-être en choquer plus d'un, il y a des choses positives dans ces images, et je vais y arriver. Je commence par le négatif. Le négatif, c'est clair, c'est-à-dire ça renseigne sur la vision qu'a ce régime vis-à-vis des Algériens à mobilité réduite, les handicapés algériens. Mais je pense que ça ne doit pas surprendre, moi personnellement ça ne me surprend pas, parce que lorsqu'on voit comment ce régime traite les personnes à mobilité réduite, il faut aussi se rappeler et se dire comment tout simplement ce régime traite les Algériens. Quel traitement ce régime a-t-il réservé par exemple aux chômeurs, aux médecins, aux pompiers, aux enseignants, aux malades, à nos parents malades? Quel traitement il est en train d'infliger à la diaspora, aux Algériens qui sont coincés dans les quatre coins du monde, coupés de leur famille? Quel traitement ce régime en réalité inflige aux Algériens? Donc par ces images, c'est juste la nature de ce régime qui se montre un peu plus clairement, parce qu'elle est déjà, mise à nu. Il y a que, comme dit le proverbe, que celui qui ne veut pas voir, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Donc celui qui ne veut pas voir actuellement la réalité de ce régime doit être atteint d'une cécité mentale, parce que tout est clair à présent. Donc de ce régime, à mon avis, il ne faut rien attendre. Mais derrière, il y a un point positif. Et ce point positif, il est lié à la dignité. Parce qu'attention, dans ces images, il y a beaucoup de dignité. C'est la dignité de ces athlètes, justement, à juste titre. C'est bien que tu les aies appelés athlètes. Bien sûr, c'est des athlètes. Parce qu'il y a tout un débat philosophique autour de cette question en Occident. Pour celui qui veut comprendre. Et moi, j'ai eu la chance, dans une autre vie, d'avoir géré, j'étais à un certain moment, dans des fonctions que j'ai occupées auparavant de conseiller territorial, où j'ai géré les dossiers d'accession aux activités sportives des personnes, des athlètes à mobilité réduite. Donc c'est un dossier que je connais en réalité. Et même philosophiquement, il y a eu à un certain moment une rupture. Je ne sais plus malheureusement, j'arrive plus à me souvenir du nom du philosophe, mais il y a un philosophe qui a posé cette question. Que peut un corps? Que peut un corps? Et c'est à partir de là qu'il y a eu toute une philosophie qui s'est développée, dont le plus célèbre qui a exploité cette philosophie du corps, qui est Nietzsche, qui part du corps pour asseoir une philosophie de la puissance.
Et ça part, après, ça va vers d'autres philosophes, bien entendu. Mais là, quand on regarde ces images, c'est justement, elles nous renseignent sur ce que peut un Algérien. Là, on voit des Algériens qui réussissent, qui gagnent en dehors du régime et même contre le régime, parce que ce régime, non seulement il ne les a pas accueillis comme il se doit à leur retour, mais même bien avant. Il ne les a pas aidés, il les a gênés. Voilà, il ne les a pas aidés. Il les a alourdis. Voilà, il n'aura pas mis en place les moyens et les conditions pour se préparer Absolument. Comme il se doit pour ces Jeux. En fait, il a tout fait pour qu'il ne gagne pas. Voilà, tout à fait. Et donc, quand on regarde ces images, on sait très bien que au fond des Algériens, de tous les Algériens, il y a une force, il y a une volonté vraiment très forte, un désir d'être, qu'on doit exploiter, qu'on doit chercher, qu'on doit retrouver dans les moments difficiles. Et actuellement, nous sommes dans un moment difficile dans notre histoire en tant que peuple, parce que là, actuellement, nous sommes un peuple face à un régime pire que le régime colonial. Un régime qui ne reconnaît plus l'humanité des Algériens. Et c'est là la question. Et le troisième point que je veux aborder pour ces images, c'est un terme qui s'appelle l'intersectionnalité. L'intersectionnalité. C'est un concept très important qui a été développé dans les théories post-coloniales. C'est-à-dire que même dans les conditions de subalterne, il y a encore, on peut trouver encore des conditions de subalterne encore plus graves qui se retrouvent dans ce qu'on appelle l'intersectionnalité. C'est-à-dire, regardez par exemple en Algérie, vous avez un citoyen lambda d'Alger, il est déjà dans une situation difficile. Mais le même Algérien, s'il se retrouve dans le sud, il est dans l'intersectionnalité de deux difficultés, parce que déjà en tant qu'Algérien face à ce régime, il est en difficulté. En plus, s'ajoute qu'il se trouve dans le sud, rajoutez à cela que peut-être. Environnement. Voilà. Peut-être il pourrait être aussi une personne à mobilité réduite, peut-être aussi une personne, un Algérien dans le sud, à mobilité réduite, et peut-être de sexe féminin. Donc la difficulté va être encore plus grave. C'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Et sur ça, pour dire que actuellement, tous les Algériens souffrent de ce régime et que constater, c'est bien, mais à un certain moment, il faudrait agir. Parce que là, il en va de notre dignité humaine. Ben justement, je poserai la question tout à l'heure de savoir pourquoi les Algériens ne réagissent pas à une telle injustice. Le problème, c'est qu'il y a une accumulation de souffrances pour les Algériens. Elles sont d'ordre différente. Ça va de la manipulation des symboles et de la symbolique, qu'elle soit identitaire, culturelle, essentialiste même. Ça va aussi au fait que ce pouvoir a fait de nous quand même des victimes potentielles de la violence. Je ne parlerai pas de 63, je parlerai de 88, je parlerai de 80, de 81 dans la vallée de la Souabe, de 88, des disparus, de 2001, et ça continue, ça participe aussi. Mais il faut peut-être retimer un petit peu et se dire que le pouvoir n'est plus incarné depuis la secousse de 2013 quand M. Bouteflika est tombé malade. Et ça a entraîné toutes les dérives. Dont l'émergence des oligarques avec des dents plus longues, le pouvoir n'étant plus incarné, donc c'était Ahu et Adia, la corruption s'est installée encore de manière encore plus pernicieuse et de manière plus massive. Et c'est pour ça qu'il y a faillite de l'État. Et cette faillite de l'État, il faut l'acter là, aujourd'hui. Et puis ça touche une frange de citoyens algériens handicapés. Je suis désolé, nous sommes tous des pères de famille, j'allais dire. Je suis désolé, ça nous touche profondément. Et comme disait Karim, il faut réagir maintenant. C'est un immense chantier qui s'impose à nous tous. Et c'est pour ça, plus on retarde la transition, plus ces problèmes vont encore surgir. Et on sera... On dévoilera ça comme c'était un inventaire à la Prévert, et voilà les handicapés. On va catégoriser
les citoyens algériens, alors que nous avons pour le moment un seul problème, c'est comment amener ce pouvoir de manière pacifique à la transition. C'est tout ce qui doit nous guider pour le moment et que toutes les forces coalisent pour cet objectif-là. Vous ne parliez pas de Spinoza tout à l'heure, en parlant de corps ? Je pense que c'est Spinoza. Le corps et l'âme, il y a eu un, je crois... Il y a eu un débat entre lui et Descartes, enfin... Entre lui et Descartes sur l'âme, je crois. Dieu, Dieu et nature. Je pense que c'est Spinoza qui a lancé cette question. Alors, je confirmerai ça là. Alors, d'abord, nous allons revenir à cette question. Pourquoi les Algériens ne réagissent pas à une telle injustice faite à leurs compatriotes, à 6 millions quand même? Ce n'est pas rien. Ça représente quelque chose comme 8 à 9%. De la population totale. Dans chaque famille, il y a des... Mais un régime qui, d'abord, n'est pas discriminatoire seulement avec les personnes à mobilité réduite. Et comme l'a dit Karim, c'est le même cas pour les orphelins, les veuves, les chômeurs. Pour tous les faibles. Tous les gens faibles ou démunis. Oui, ou qui ont fait, parce que faible ou démunis, ça peut arriver à tout le monde. Oui, on peut faire faillite, on peut faire un accident. Alors, mais avant d'en arriver, pourquoi ce manque de solidarité des Algériens à l'endroit de leurs compatriotes en situation de handicap? J'aimerais que nous puissions parler un peu de cette indemnité qui leur est allouée. J'ai oublié son nom de solidarité. Hein. Indemnité de solidarité. De 3 000 et 4 000 dinars, celle que vous avez évoquée tout à l'heure. C'était 3 000 et après ça est monté à 4 000. À 4 000 dinars. Je crois même que c'est monté à peut-être à 5 000. Je pense dans certains cas, oui. Alors, la bonne nouvelle, hein, pour rajouter une couche, c'est qu'on ne leur vire pas dans leur compte. On leur fait l'obligation de se déplacer à la poste pour recevoir l'indemnité dans une enveloppe, en espèces. Alors imaginez, hein, une personne en situation de handicap qui habite au 10e étage, qui doit descendre... Vous demanderez de raconter l'histoire de votre ami. Là. Voilà, quelqu'un qui passait à l'émission, qui nous l'a dit à l'émission. Il est passé il y a quelques années, il nous a dit, voilà, moi je suis obligé de payer 1000 dinars à quelqu'un pour me descendre et me remonter à la maison... Puis le taxi pour aller et revenir à la poste. Et généralement, l'enveloppe, en plus, quand je l'ouvre, il manque toujours quelque chose. 200 dinars, 400 dinars, pour vous dire. C'est insupportable. Alors, qu'est-ce que c'est que cette impudeur de ce régime qui, connaissant les prix pour vivre, vous savez, par exemple, un kilo de viande coûte 150 000. Ça veut dire la moitié de l'indemnité. L'indemnité, 3 000 dinars. Pour acheter un kilo de viande, c'est la moitié. Pour acheter un kilo de sardines, c'est le tiers. Pour acheter de l'huile. Alors, il connaît les prix, il sait que ça ne peut pas faire vivre une famille un jour. Ça ne peut pas faire vivre deux jours, à la limite. Pourquoi est-ce que... Alors que là, ils ont eu beaucoup d'argent. Ça veut dire, à la limite, maintenant, on pourrait dire, bon, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Mais pendant 20 ans, ils ont jeté l'argent par les fenêtres. Pourquoi une telle somme Au-delà de la somme qui est allouée et que je trouve indécente vu la situation économique du pays, vu l'inflation, vu beaucoup de choses, ça renvoie aussi au modèle économique, ça renvoie à plein de choses. C'est encore du mépris. Je veux sortir de ça. C'est encore du mépris. Et ce que vous dites, pourquoi on réagit pas? Oui. Les réactions, tant qu'elles sont les gens qui devraient, si on était en démocratie, c'est à l'Assemblée nationale, c'est à des groupes parlementaires à initier des projets de loi avec l'action du ministère de la Solidarité. C'est à ces gens qui auraient eu des mandats nationaux de dire cette situation ne peut pas durer. Quitte à rogner sur le budget de l'État ou sur le budget du ministère, je ne sais pas, ils émargent où ces allocations pour handicapés. Mais ça renvoie aussi à un problème à la fois de démocratie, ça renvoie à un problème de représentativité. Parce qu'en fait, si nous étions en démocratie et qu'un groupe de députés qui soit d'obédience doctrinale différente, qui soit, peu importe, mais c'est une catégorie qui mérite toute notre attention. D'abord, ils sont accablés par le destin et par la vie. Ils devraient légitimement avoir en retour un minimum. Pourquoi ne pas les mettre au SMIG? Qu'est-ce que ça coûterait d'un point de vue budgétaire? Déjà,
C'est une proposition de loi qui doit, c'est les mains du gouvernement. Mais rien ne marche. Le pouvoir n'est plus pourquoi incarné. Pourquoi ne rien donner à tous ceux qui sont en dessous de 80% d'incapacité et qui sont 4 millions de personnes? Alors vous imaginez 4 millions, c'est 10% pratiquement. Et la plupart d'entre eux ont des familles. Mais juste une précision au sujet de ce qui devrait relever du Parlement. Alors l'Algérie a mis en place un Conseil national des personnes handicapées. Oui. Par le décret exécutif 0645 du 25 avril 2006. Or, il convient de noter que le dit conseil n'a été effectivement installé qu'à partir de mai 2014. Mais sinon installé, mais qui ne fonctionne jamais. Moi, encore une administration. Alors, et la nouvelle, la dernière constitution, procède d'une très belle intention, mais qui reste à l'état d'intention. Alors l'article 72 de la toute dernière qui vient de passer, voilà ce qu'il dit. L'État œuvre à assurer aux personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques, c'est ce qu'on appelle le c'est ça. Ça veut dire les personnes en situation... Alors, l'État œuvre à assurer aux personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques leur insertion dans la vie sociale. Les conditions et les modalités d'application de cette disposition sont fixées par la loi. On attend toujours. Moi, je vais vous dire une chose, et je terminerai, Brahim, juste pour un peu détendre. On en parlera tout à l'heure, c'est les 7 super ambassadeurs qui ont été désignés. Oui, on va en parler. Alors imaginez le budget que ça coûte. Si on transférait ce budget-là, qui leur serait probablement alloué pour lisser l'image de l'Algérie, était versé directement au ministère de la Solidarité ou à l'organisme chargé de dispenser ces pensions, on aurait déjà gagné. Et cependant, autre chose, c'est que ces gens-là, qui vont représenter, qui vont lisser l'image de l'Algérie, j'espère qu'elles ont pris conscience qu'elles ne lisseront pas l'image de l'Algérie, qu'elles sont là pour vendre la politique d'un clan. Et ça, c'est... On va en parler. Je trouve ça dégueulasse. Mais avant de vous donner la parole, Brahimi aussi, nous allons regarder comment, pour faire la différence, c'est juste pour faire la différence avec notre pays voisin, qui est le Maroc, regardez comment il a reçu ces athlètes paralympiques. Voilà, regardez comment ils sont portés. Ah, regardez. Voilà. Brahim Younsi. La Tunisie a fait encore mieux, je pense. Ah bon, j'espère qu'on va nous trouver des images de la Tunisie, Nesserine. Merci. Je ne crois pas, quant à moi, que les handicapés ou les personnes à mobilité réduite, mais il n'y a pas que les personnes à mobilité réduite dans le handicap. Oui, bien sûr. Il y a les malvoyants, mais elles sont toutes, de fait, à mobilité réduite. D'une certaine manière, mais plus handicapés que les handicapés. Oui. Il y en a qui sont en mobilité. Les handicapés, me semble-t-il, de façon générale, bien sûr qu'ils ont besoin de ressources, mais je ne crois pas que ça soit leur souci premier. Leur souci premier, me semble-t-il, c'est la considération. Ils veulent être considérés, ils veulent être, exister, être dans la société, vivre dans la société. Pouvoir travailler. Le droit au travail, le droit à plein de choses. Oui, mais pas seulement. Une considération. Nous l'avons vu que l'État ne considère pas, que ce soit par les allocations qu'il attribue ou leur attribue, et la considération humaine. Par les conditions générales, oui, tout à fait. Donc, le problème est là, dans la considération. Il y a une négation. On nie les handicapés. Certains même considèrent qu'ils participent de l'inutile. Oui. Ils sont inutiles à la société, alors qu'on le voit avec ces athlètes. Oui. C'est cinglant comme réponse. C'est plusieurs gifles à la fois données. Mais je crois que la société algérienne, me semble-t-il, commence à prendre conscience du handicap et de la situation des personnes faibles dans la société. Oui. Je crois qu'elle est plus compatissante
et plus agissante. C'est dans sa nature. Oui, plus, mais elle n'était pas comme ça. Elle est plus agissante face au handicap. Parce moi, je ne vois pas. Je ne vois pas en quoi elle est plus agissante. Ouais, non, il y a des aussi. Associations. Moi, j'ai un fils handicapé mental. Je sais ce que c'est. J'ai été, quand il était là-bas en Algérie, c'était l'enfer. C'était l'horreur. Oui, il y a 20 ans. Moi, je vais raconter quelque chose de très... Un jour, je rentrais chez moi. Mon fils avait une seule possibilité. Sa mère le mettait devant la porte pour regarder passer les voitures. Et de loin, je voyais des petits-enfants en train de lui envoyer des cailloux qui... Lui ne savait même pas esquiver, donc qui passait tout près de sa tête. Et ça ne m'a pas choqué, c'était des petits-enfants. Mais ce qui m'avait choqué, c'est que les parents regardaient et rigolaient. Ils riaient de ça. Donc pour vous dire que la société compatissante... On a connu cette société-là. Oui. Elle peut être générale, mais pas compatissante. Mais je crois qu'il y a une évolution. Je crois. Ben j'espère. Le nombre d'associations aujourd'hui qui existent en Algérie, qui s'occupent des plus fragiles, oui. des handicapés, des plus vieux abandonnés, etc., etc., il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Brahim Younsi, juste une chose. Au sujet des associations, je m'excuse parce qu'il faut que je le dise. Nous avons essayé d'inviter des associations de personnes en situation de handicap. Nous avons essayé à plusieurs reprises. Personne ne veut venir. Vous savez pourquoi? Elles sont terrorisées. Terrorisés. Parce que la plupart se sont créés des postes de travail dans ces associations. Elles sont permanisées. Ou elles sont permanisées, ou elles ont des petits salaires très très modestes. Alors, mais le message a très bien circulé. Si jamais vous intervenez dans des chaînes comme genre la nôtre, on va s'occuper de vous et de vos salaires. Et je vous laisse poursuivre. Je ne sais pas. Allez-y. Allez-y, poursuivez. Je vous ai interrompu. Ça reviendra. D'accord. Vous pourrez m'interrompre. Alors, tout à l'heure, n'hésitez pas. Parce que moi, je vais renchérir un peu ce qu'a dit Brahim sur la considération et sur le fait que les personnes à mobilité réduite en Algérie cherchent la considération. Moi, je pense que la considération actuellement en Algérie, c'est un luxe et un privilège qui n'est pas à la portée de tous les Algériens, pas seulement les personnes à mobilité réduite. Et c'est là la question. C'est-à-dire, nous sommes actuellement dans une situation historique dans laquelle les Algériens, toutes catégories confondues, se retrouvent dans la situation de sous-humains. Et je pèse bien mes mots. Oui. Une sous-humanité. Nous réclamons actuellement des droits que le reste de l'humanité a obtenu dans les siècles passés. Oui. Nous vivons dans une barbarie sociale, une barbarie politique. Actuellement, nous acceptons, et je dis bien nous tous, nous acceptons que des Algériens soient mis en prison, torturés, voire violés, au vu et au su de tous, pour leurs opinions politiques, dont certains, justement, ont dénoncé des actes de corruption. Et pour revendiquer un état de droit, tout simplement. Oui, un état de droit, mais certains, ils ne sont même pas allés jusqu'à ce stade politique. Certains ont juste dénoncé des faits de corruption avérés, filmés, de la vie quotidienne, se retrouvent en prison dans des conditions mais indicibles. Indicibles. Il faut parler avec les anciens détenus pour qu'ils vous racontent ce qu'ils ont vu. Une société qui se tait sur ça, je l'ai toujours dit. Moi, je crois que, personnellement, j'ai deux croyances. Je suis un croyant, donc je crois en Dieu. Et puis par la suite, je crois à l'implacabilité de l'histoire et à sa justice. C'est-à-dire qu'actuellement, puisque nous nous taisons sur tout ce que nous subissons au quotidien, il est tout à fait normal que le régime persiste dans son ignominie. C'est ça la situation. Il est difficile de vivre dans ces conditions. Mais à un certain moment, soit on prend acte, on s'indigne et on va dans l'action pour agir. Parce que je suis d'accord avec vous, Ben Chenlouf. Moi, je ne vois pas comment la société agit
pour les personnes à mobilité réduite. Elle ne le fait pas déjà pour le reste des Algériens. Les gens ne le font pas pour eux-mêmes. Peut-être que la société est subjuguée, on pourrait chercher les raisons. Peut-être que la machine de propagande du régime est très puissante. Mais actuellement, moi, quand je vois, par exemple, qu'à Paris, les gens, font la queue devant les guichets fermés d'Air Algérie pour payer un billet... 5 fois plus cher. 10 fois plus cher. 10 fois plus cher. Je sais qu'il y a très peu de situations urgentes qui peut-être justifieraient cela. Je sais. Mais nous sommes tous dans cette situation. Nous avons tous des parents en Algérie. Nous avons tous une vie en Algérie. Tous. Mais lorsqu'on accepte, c'est qu'on cautionne. Et c'est ça la situation. Mais justement, pourquoi ces 6 millions de personnes en situation de handicap ne se mettent-elles pas toutes ensemble, ne s'organisent-elles pas pour deux ? Là, on les écouterait. Or, ils sont en rang dispersé. Prenez par exemple les gens du sud, Sahara. Les Mahgourines Ktarb Neskoul, ce sont les gens les plus opprimés parmi les Algériens, les gens du sud. Les plus négligés, ils sont mis de côté, marginalisés, c'est comme si c'était des sous-Algériens. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas organisés, qu'ils ne résistent pas, qu'ils ne sortent pas dans la rue, pour dire les choses comme elles sont. La logique est d'une simplicité... C'est très simple, justement. Je pense que, Jamaldine, le début de réponse, il n'est même pas au niveau de l'organisation. Le début de réponse, il est, à mon avis, dans la conscience et le courage à un certain moment. Absolument. Parce qu'à un certain moment, il faut avoir le courage aussi de dire non, de refuser. Ne serait-ce que par dignité. La société tout entière, c'est la raison pour laquelle la société s'implique, en tout cas moi c'est ce que je vois, s'implique de plus en plus dans la situation du handicap et des handicapés. Elle s'implique de plus en plus. Et si l'État algérien était un État démocratique, les handicapés organisés auraient plus de poids parce qu'ils ont un bulletin de vote. C'est vrai aussi que dans les familles, comment l'on perçoit le handicap ? Pour certaines familles, hélas. C'est presque une tare. C'est une punition. Ah oui. Ou alors une punition divine. Ça participe de manière culturelle. Une punition. Et pour d'autres, c'est une honte. Oui. C'est une honte. Et pour la société elle-même, si elle est indifférente, ne regarde pas, ne voit pas le handicapé, elle exprime souvent, devant certains handicaps, un dégoût. Oui. Et beaucoup de dégoût face à la personne handicapée. Et beaucoup de cruauté aussi. Absolument. C'est justement ce qui, à mon avis, a évolué dans la société algérienne. On ne raconte plus le handicapé de la même façon qu'on le regardait. Moi aussi, j'ai un neveu handicapé. Oui, il a subi exactement les mêmes vexations. C'est le propre des sociétés primitives. Les mêmes vexations. Moi, j'ose espérer que ce que vous racontiez tout à l'heure à propos de votre fils, et ce que vient de dire Brahim, heureusement que ça se situe au niveau du monde des enfants et tous les psychanalytiques. Tous les psychanalystes savent que les enfants, c'est un monde cruel. Mais là où vous avez rajouté autre chose, c'est que les parents regardaient et riaient. Ce que je voulais dire, pour être un peu en désaccord avec Brahim et même Karim, c'est que ce n'est pas à la société de prendre en charge ces handicapés. Ce n'est pas en termes de prise en charge. Oui, non. Tu as dit, me semble-t-il, que la société évolue, elle est plus empathique, etc. Je suis désolé, c'est exonérer l'État de ses missions et de sa responsabilité. Je crois que c'est là le cœur du problème. Karim, tout à l'heure, a dit, il faut vraiment, en faisant une digression, en parlant des billets d'Air Algérie, évidemment, tout est dans la conscientisation des choses, à tous les niveaux. Mais c'est parce qu'on est à défaillant, on a un État antidémocratique, on a un État antinational,
que toutes ces catégories qui sont brimées, qui sont victimes d'arbitraire et qui sont victimes de mépris, de condescendance, de tout ce que vous voulez, à un moment donné, il faut qu'elles réagissent, que ces groupes-là réagissent. On n'est pas encore là. Nous avons des problèmes politiques. Évidemment, évidemment, l'État doit absolument prendre en charge cette catégorie de citoyens. Ce n'est pas des citoyens du deuxième collège, c'est des citoyens à part entière, qui ont les mêmes droits, les mêmes devoirs. Et donner au moins du confort pour leur mobilité, pour leurs ressources, pour... Ça, ça peut se faire éventuellement. Ouais, mais je pense, juste une petite remarque, parce que je pense qu'il nous a mis un peu dans le même. Moi, j'ai pas exonéré l'État. Non, j'ai pas dit que vous avez exonéré l'État. Ouais. J'ai dit que dans nos propos, je m'implique. Dans nos propos, on a l'impression qu'on exonère l'État. L'État est le premier responsable. Je pense que ce qui a évolué culturellement un peu dans la société algérienne, c'est la vision globale. Mais même sur ça, on est en retard. J'ai adoré vous piquer tous les deux. On est en retard de 2 à 3 siècles. Et pour ça, j'invite vraiment à. Je pense que vous connaissez certainement les travaux de Michel Foucault sur ça. Sur les fous, notamment, sur la catégorie du fou. Le fou du village, comment il était traité au Moyen-Âge, comment ça a évolué en Europe. Et nous, quand on regarde dans notre société, comment, par exemple, la catégorie du fou, le personnage du fou, dans un village, dans un quartier, comment il est traité, vous allez constater que nous sommes toujours dans une société archaïque. Absolument. Et je le dis et je l'assume. Et puis, politiquement, le problème, c'est que la facture, on la paye de ces comportements-là. C'est que sur l'ensemble, moi, ce que j'essaye de dire, c'est qu'actuellement, c'est bien d'avoir consacré aujourd'hui tout un volet pour les personnes à mobilité réduite, mais j'ai envie de dire, actuellement, tous les Algériens se retrouvent dans une situation, pas de mobilité réduite, mais de citoyenneté réduite. Nous sommes actuellement considérés comme des sous-sujets, des sous-citoyens. Nous ne pouvons même pas jouir de nos droits les plus élémentaires. Et c'est pour ça que… – Avant de donner la parole à Brahim Younsi, pas seulement dans la société, comment on traite les personnes en situation de handicap mental. Ah oui. Il faut qu'on vous dise. Oui, oui, oui. Il faut voir comment on les traite dans les hôpitaux. Oui. Moi, j'avais fait un reportage en 1997, je crois. C'est atroce, c'est inimaginable. Ça veut dire, je vous le raconterai, vous ne me croiriez pas. Mais Brahim Younsi, avant de passer au sujet suivant. J'ai parlé de Michel Foucault. Michel Foucault a écrit là-dessus, sur la question de l'enfermement. C'est la concentration, l'enfermement. L'électrochoc, l'enchaînement, la camisole de force. C'est clair. Mais la violence, en dehors de la considération et là où c'est l'État. Tout à l'heure, nous parlions de la société. Là, c'est l'État, c'est les institutions. Tout à fait. C'est le système de normes. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Tout à fait. Les handicapés sont confrontés à un système de normes qui n'est pas le leur. Rien n'est fait pour eux, en tout cas chez nous. Tout à fait. Voilà. Oui. Strictement rien. Tout à fait. Absolument. Exactement. Absolument. Et on a normé la société en faisant fi de leurs besoins. Les normes sont faites. Ne serait-ce que dans l'urbanisme. Les normes sont faites pour tout le monde. Exact. Et parfait. Les normes sont faites pour tout le monde, mais elles ne sont pas pour les handicapés. Alors, ça, c'est un point essentiel. Oui, en effet. C'est très vrai. Alors, Merci, nous allons voir les images des Paralympiques tunisiens au retour chez eux. Avec des fleurs, et quel respect, quelle considération. Pas seulement les fleurs, mais l'accompagnement. Absolument. Les fleurs, ça peut être un décor, mais l'accompagnement. C'est-à-dire que c'est une société, la société tunisienne est une société qui approche de façon différente que nous le handicap. Elle ne cache pas son handicap. Absolument. Alors, nous allons passer au sujet suivant. Tout à l'heure, Karim, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous avez constaté quel traitement le régime réserve aux personnes à mobilité réduite, aux chômeurs, aux plus faibles. Par contre, il y a une autre forme de traitement qu'il réserve à ces nervis,
Et j'en veux pour preuve la nomination... Bien amené, monsieur. La nomination de deux ambassadeurs parmi les autres. Celle... Est-ce que je peux dire juste un mot sur le sujet, bien sûr, le bien sujet sûr. Que nous traitons oui. au précédent. C'est les sanctions que le pouvoir a prises sur le non-accueil des athlètes paralympiques. On limoge trois personnes ou quatre, oui. le secrétaire général du ministère des Sports, un directeur du ministère des Sports, alors que cette question-là doit monter jusqu'au chef de l'État. J'allais exactement y venir. Voilà. J'allais exactement y venir. Ça, c'est quand même ouais. sanctionner des lampistes. Voilà. Absolument. Alors que le problème est systémique. Bah oui. Ce n'est pas en limogeant quelques lampistes oui, qu'on va changer des choses. C'est un état d'esprit. Et c'est tout aussi systémique pour le régime qui récompense oui, tout à fait. Ces zélateurs et ces nervis et ces voilà. j'allais dire, what, comme je dis, Bambéa. Parce qu'il est dans la toute-puissance. Et là, on rejoint Nietzsche. Il est dans la toute-puissance et l'impunité. Et l'impunité, voilà. Zarmati, par exemple. D'impunité. Zarmati, qui a fait un sale boulot absolument incroyable depuis 62, on n'a pas vu quelqu'un d'aussi zélé à faire le mal et à servir autant ses maîtres, hein, je ne dirais même pas ses supérieurs. Nous avons vu sa vidéo à plusieurs reprises avec Gaët Salah. Jusqu'au bout. Il est à Prague, il va jouer avec l'automate. J'aimerais bien qu'on nous trouve la vidéo de Gaët Salah avec Zarmati, s'il vous plaît. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, avant d'en arriver à ces histoires de création de sept postes d'envoyés spéciaux, d'ambassadeurs. Donc, voilà, messieurs Slimane Chenine et Belkacem Zarmati qui rejoignent leurs confrères désormais, confrères ou collègues, ou je ne sais pas comment dire, ou pères ou compères, ou comparses, Habib Chouki, hein, qui lui est à Prague, hein, n'est-ce pas, Brahim ouais. C'est quelle très belle capitale. Très belle. Ils sont en train de se payer du bon temps. Hein. Oui. Imaginez Zarmati qu'on envoie à Prague. Oui. Quelle récompense. Mais voilà, déjà, c'est le paradis, on l'envoie au paradis. Oui, va-t-il être sensible à autant de beauté, c'est ça? Alors qu'il n'y a pas de vraie relation entre l'Algérie. Moi, j'ai connu, va-t-il être sensible à autant de beauté? J'ai connu Prague, j'ai connu Prague avant, j'ai connu Prague au moment des inondations, pour dire que Prague a été détruite quasiment par les inondations. Je suis retourné à Prague après la reconstruction. C'est encore plus merveilleux. Oui. C'est encore plus merveilleux. C'est la Tchéquie, voilà. Hein, c'est ça oui, c'est la Tchèque. Ouais. C'est les fromages de la République, hein, c'est connu. Hein. Mais c'est incroyable. Comme ça, ben, mais c'est ce que je disais. Les autres, ils nous la jouent, ils nous les jettent en pâture, soi-disant. Oh, comment nos paralympiques. Et Tebboune va certainement les recevoir, hein, vous allez voir. Hein. Ouais. Ils nous jettent les pauvres malheureux en pâture. Et dans le même temps, les gens qui les ont servis, ils leur offrent des Il y a aussi M. Djerrad qui n'est pas... En Suède. Moins bien loti aussi en Suède. Oui, c'est ça, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les fromages de la République, c'est-à-dire c'est des postes à dépenses outrancières, aux frais de la princesse, hein, donc aux frais justement de tous les Algériens, aux frais par exemple des Algériens à mobilité réduite qui eux ont droit à 4 000 dinars par mois, aux frais des chômeurs algériens qui ont droit à une prime fictive, qui est transparente, qui n'existe pas. Déjà, elle est très réduite aussi, alors de 4 000 dinars, je crois, mais que des chômeurs affirment n'avoir jamais touché. Pareil, aux frais aussi de tous les salariés hein, qui vivotent au SMIC avec 20 000 dinars, hein, c'est ça, donc 100 euros par mois. Je rappelle qu'un poste comme celui-là, qu'ils ont reçu en récompense pour services rendus. Oui. Hein, c'est 10, 15 000, il y en a qui disent jusqu'à 20 000 euros par mois. Ça dépend des capitales. Ça dépend des en capitales. En plus des privilèges exorbitants. En plus des privilèges exorbitants. Et en plus aussi des caisses noires.
Les caisses noires qui ne sont même pas tenues de justifier, voilà, qui sont énormes. Voilà, donc ils ne sont pas comptables. En plus du personnel de maison. Tout à fait. Le chauffeur, les cuisiniers. Mais le comble du comble est que c'est l'une des diplomaties les plus mauvaises du monde. Ben oui. Si au moins c'était une diplomatie performante, à la limite, on aurait compris le sacrifice consenti. C'est au ras des pâquerettes. Une politique se juge à l'impact qu'elle a sur les événements. Oui. Or, quel impact la politique algérienne, notamment sur le plan international, a eu la politique algérienne? Parce que la politique étrangère d'un pays et la continuité de sa politique intérieure. Et quelle politique intérieure il y a dans notre pays? Absolument. Pour avoir une politique extérieure digne de ce nom? Absolument. À un moment donné, on l'a vu au milieu des années 80, 85, 86, que la politique étrangère de l'Algérie, et on l'a vu avec l'Iran, on l'a vu, s'est transformée d'une politique, c'est vrai, qui agissait à un moment donné parce qu'elle avait les ressources nécessaires. Et le monde elle avait un projet. Il y avait la guerre froide, les blocs est-ouest. Ce n'était pas le mérite de Bouteflika. Peu importe. Quand même, il était quand même sur la scène de la diplomatie internationale. C'était les circonstances plutôt que le talent. Il a un certain talent, il ne faut pas non plus nier. Ce que je veux dire, c'est que la politique algérienne depuis le milieu des années 80 était devenue une diplomatie d'entremetteur. Une diplomatie qui intervenait ou qu'on faisait intervenir, notamment dans le dossier iranien, où elle essayait d'arranger les choses. En Afrique, surtout. Intermédiaire. Donc, moi, je parle ça d'entremetteur, pardonnez le terme. D'intercesseur. je tiens à mon mot, pardon pour ceux qui écoutent, mais... Une diplomatie d'entremetteur. Je crois qu'on revient à ce type. Elle a eu de l'effet aussi. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas être nihiliste non plus. Entre guillemets, je crois que nous sommes revenus à cette diplomatie un peu molle, une diplomatie qui n'en est pas une, mais on veut... Qui ressemble au régime, qui ressemble au système. C'est comme cette parenthèse des deux ministres des Affaires étrangères. Comment il s'appelait l'autre? Moussahel. C'est incroyable, juste parce qu'il avait des petits copinages avec les Bouteflika. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'être diplomate, c'est être un technicien. C'est un métier. Ben oui. Et comment expliquez-vous, Idir, comment expliquez-vous qu'on envoie Chenin, qui était président de l'ex-parlement, qui est connu pour être un islamiste BCBG. Normalisé, c'est-à-dire un islamiste maison, un islamiste qui appartient au régime, et qu'on envoie en Libye. Zama, sur la Libye, ce n'est pas important. Alors que la Libye... Et c'est un dossier qui est de première importance. On devrait envoyer là-bas un diplomate chevronné. Tout à fait, on est d'accord. Ah, pourquoi ils envoient... En plus de la situation de la Libye en elle-même, c'est-à-dire au-delà des belligérants, de Haftar, Haftar maîtrise à peu près 60% du territoire. Là n'est pas le souci. Il faut envoyer quelqu'un, parce que ce qu'il y a en Libye, c'est qu'il y a un semblant d'État, il n'y a jamais eu d'État au sens moderne du terme. Et c'est les tribus qui font la différence. Aux dernières nouvelles, il y a quelques mois, même M. Tebboune a dit « nous avons pris langue avec les tribus ». Heureusement qu'elles ne se sont pas, elles sont pas rentrées en guerre, ça aurait été la somalisation de la Libye, sans quoi il avait raison. Mais envoyer en Libye sur un dossier aussi brûlant, à la veille des supposées élections qui doivent être tenues en décembre 2021, moi je pense que c'est un risque énorme. Cet individu, je ne le connais pas, je dis bien cet individu, je tiens à mon mot. Vous savez ce qu'a dit la Mamra? Oui. Qu'est-ce qu'il a conseillé aux Libyens? Oui. Tenez-vous bien, parce que c'est fort de café. Parlons de la réconciliation. Vous avez un très bon exemple. C'est nous. C'est l'exemple algérien. La fameuse réconciliation nationale. Il leur a conseillé de faire comme l'Algérie. Ce que je voulais juste dire encore quelque chose. Pourquoi on n'a pas envoyé un diplomate chevronné, etc. Parce qu'aucun diplomate chevronné n'accepterait d'aller là. Dans un tel Non, c'est-à-dire,
Il y a des intérêts. Je crois qu'à un moment donné, les intérêts du pays, au-delà des gens qui le dirigent ou de ceux qui sont aux commandes réelles du pays, exigent de l'ensemble des Algériens de voir où est le danger. Notre sécurité, elle commence à Tripoli. Notre sécurité commence à Mauritanie, à Nouakchott, elle commence au Niger, elle commence en Tunisie, elle commence même à Casablanca, j'allais dire. Si ça permet, c'est nos intérêts vitaux. Juste, je termine, Barim, pour quelque chose qui a trait justement à notre diplomatie. Vous allez devoir faire tous très vite. Hein, oui, ce que je voulais dire, une chose, donc c'est important, me semble-t-il, puisqu'on parle de diplomatie, c'est qu'il y a une annonce qui a été faite et qui est passée complètement inaperçue. C'est la suppression de l'ambassade d'Éthiopie en Algérie. Éthiopie, c'est Addis Abeba, c'est l'Union africaine, c'est tout ça. Comment se fait-il que l'Algérie se trouve parmi la vingtaine ou la trentaine de pays où l'Éthiopie, en tant que pays souverain, a décidé de fermer ça. Que pour le camoufler, on serait rentré par une diplomatie de la valise. Absolument. Moi, je l'aurais offert un endroit, elle aurait maintenu et j'aurais pris en charge son personnel. C'est une gifle pour nous. Absolument. Voilà ce que je voulais dire. C'est arrivé au moment où la Mamra, je pense, se targuait justement d'avoir de très bonnes relations avec l'Éthiopie. Oui, non, mais je suis impliqué dans l'huile blanche. Mais avant, nous allons vous montrer Gaïd Salah. Gaïd Salah, 30 secondes. Gaïd Salah. La politique. Gaïd Salah, Ibrahim Youssi, 30 secondes. Merci mille fois. La politique étrangère de l'Algérie ne commence ni à Rabat, ni à Washington, ni ailleurs. Elle commence à Alger. Tout à fait. Je parlais de sécurité, bref. Même la sécurité. Que les choses soient claires. Même la sécurité commence à Alger. Je suis en désaccord total. Oui. Attends. Ça commence à Alger. Ça commence à Alger parce que l'Algérie est défaite. Elle est défaite dans son économie. Elle est défaite dans sa politique intérieure. Elle est défaite dans tous les domaines. C'est-à-dire que la reconstruction se fait à l'intérieur du pays. En reconstruisant à l'intérieur du pays, dans un, bien entendu, un climat démocratique où la réconciliation... Vous parliez de la réconciliation ou la réconciliation. Sens, oui. Voilà, tout à fait. Prend d'accord. Un sens réel et palpable. Et à ce moment-là, nous pouvons reconstruire le pays et aller vers l'extérieur. Voilà. Non, là, je suis d'accord sur la démarche. Mais quand on parle de sécurité, Brahim, je suis tout à fait d'accord. Non, je suis d'accord avec toi. Il y a des questions qui relèvent de l'infrapolitique. Donc les problèmes de sécurité, malgré ta faiblesse économique, malgré ta faiblesse dans la qualité des services, malgré ta faiblesse dans le renseignement, quand je dis l'intelligence en règle générale, l'intelligence, le renseignement humain, le renseignement militaire, le renseignement économique, etc., etc. Mais le problème de sécurité, il faut faire les distinguos, c'est tout. Oui. Par contre, dans tout ce que tu dis, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour avoir une diplomatie forte, il faut avoir d'abord l'économie, les services que tu peux exporter, avoir une économie saine avec laquelle tu peux avoir des points de levier. Pendant la gouvernance ou la non-gouvernance de Bouteflika, sur les 1 200 milliards, aucun fonds souverain, on n'a investi nulle part. Mais c'est ça le gâchis, l'immense gâchis, il est là aussi. Je pense que sur cette question de la diplomatie, je pense, avec tout le respect que je dois vraiment à vos opinions qui sont toutes pertinentes, mais je pense que le départ, à mon avis, est partir sur cette question-là de l'histoire de la diplomatie algérienne, c'est vraiment tenir la question par, à mon avis, le mauvais bout du fil, parce que l'histoire de la diplomatie algérienne s'est faite, elle s'est faite, elle a eu ses lettres de noblesse entre parenthèses, à un moment où le monde était bipolaire. Entre-temps, il y a quelque chose de très important qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, depuis la chute du mur de Berlin principalement, et après l'avènement de la mondialisation mais galopante et maintenant la numérisation du monde, là... le monde a changé, mais le régime algérien est resté le même. Ce qui fait qu'actuellement, la diplomatie algérienne, elle n'a plus de fonction, une fonction diplomatique, on va dire classique, qui est normalement de sauvegarder l'intérêt national, l'intérêt du peuple. Là, nous sommes face à un régime
dont le seul objectif à l'intérieur et à l'extérieur, c'est de se maintenir lui-même. C'est tout ce qu'on veut, sauf un État fort. Ce qui fait qu'actuellement, déjà le monde, les relations internationales se sont complexifiées à un degré mais inimaginable. C'est les pièces maîtresses qui jouent maintenant les relations ne se font même plus uniquement entre pays, mais elles se font même entre État et sociétés privées multinationales. Ouais. Donc là, il y a une géopolitique mondiale qui est très complexe. On regarde par exemple la diplomatie des vaccins, c'est incroyable. Regardez comment le régime algérien est en train de faire fausse piste. C'est une gifle de Moscou. Hein. Et il est en train de faire fausse piste complètement parce que la majorité de sa diaspora se retrouve en France et en Europe. La politique vaccinale appliquée en Algérie n'est pas validée par l'Union européenne, elle n'est pas la même. Donc, Sinopharm ne sert à rien. Et c'est un grand problème. Les Algériens qui vont en Algérie ne peuvent pas venir en Europe. En tout cas, sur ce dossier, déjà, c'est la cacophonie totale. Revenir à mon point principal, c'est que, par contre, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de cohérence dans la politique, dans la diplomatie algérienne. Il y a une cohérence. Il faut la voir dans la politique intérieure du pays. En Algérie, la politique intérieure, c'est quoi maintenant? C'est le flicage des Algériens. C'est la surveillance de tous les Algériens. C'est leur trouver des ennemis extérieurs. Et à l'extérieur, maintenant, les ambassades algériennes un peu partout dans le monde et notamment en Europe, maintenant se sont transformées en des agences. VRP. Des VRP et même des agences de surveillance de la diaspora. De la diaspora. Militants de la diaspora. Vrai. Ce qui fait qu'il y a une cohérence. C'est le cas en France. Au Canada. Au Canada où maintenant on paye des nervis pour aller taper chez les manifestants. C'est la mise en place. Alors, très vite. Ce que dit Karim a toujours existé. Toujours existé, les ambassades ont toujours été des officines. Des nids d'espions, il faut le dire. Oui. Des officines. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de politique étrangère. Il n'y a pas de politique étrangère. Comme il n'y a pas de politique intérieure, comme il n'y a pas de politique économique. Que la politique étrangère d'un pays dépend de sa politique intérieure. Ça dépend des intérêts. Les affaires du dedans, l'Algérie n'a plus d'intérêt nulle part. Oui, la stabilité les affaires est importante, du dedans par contre. Déterminent les affaires du dehors. Ça, dans tous les Absolument. Pays, c'est la même chose. On ne distingue plus. On ne distingue plus la politique intérieure de la politique extérieure de tous les pays du monde. Très vite. Moi, je dis une chose. Karim a dit une chose qui est très juste. C'est à montrer complexe. C'est complexifié. Hein. Le monde, il se fera sans nous. Nous sommes un petit pays. Nous sommes un petit pays. L'Europe toute entière est larguée par le match États-Unis-Chine avec leurs alliés. Il y a l'Iran qui rentre avec des accords secrets avec la Chine. C'est très complexe. Et des consortiums politiques de tout genre. Il faut une vision nationale. Quand on n'a pas une vision, pour imprégner une identité diplomatique, il faut déjà une identité nationale. Le projet Algérie n'existe pas. Donc même, il n'y a pas de modèle. C'est terminé, il n'y a plus rien. Nous arrivons à la fin. Oui, il y a une chose. Le modèle que nous avons à l'époque n'était pas le nôtre. A soulevé, et il a parfaitement raison là-dessus. C'est sur ce qu'on appelle les GAFA. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que la politique étrangère des pays ne fonctionne plus. Ouais. Pour quelle raison? Parce que les États nationaux sont en train de se fissurer. Absolument. Les GAFA ont tué l'État national. Alors, je me permets de vous interrompre. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Voilà. Nous allons d'abord... Le statonationalisme... C'est très agréable. Le statonationalisme... Laissez-nous 30 secondes. Allez. Les GAFA, je ne suis pas encore en léger désaccord. Par contre, peut-être que le capitalisme financier outrancier a commencé à fissurer l'État-nation. Mais l'État-nation a commencé et commence à se déconstruire. On va vers des identités régionales très fortes et on va surtout vers le nouveau concept de la ville
monde. Paris, Tokyo, Milan. Ce n'est pas impossible. Oui, voilà. Pas impossible. Oui, mais la ville mais les aussi. GAFA, ouais. Mais les GAFA, ce qu'ils ont. Ce qu'ils ont sur le alors, Karim, Karim, justement. Mais 15 secondes. C'est justement, la ville-monde, c'est la non-ville, justement. C'est la ville sans identité. Parce que les hôtels à Tokyo, c'est les mêmes aux États-Unis, c'est les mêmes en France. Vous avez à Dubaï, alors, nous allons écouter M. Belmadi. Notre sélection est arrivée au Maroc. M. Belmadi avait une déclaration. Nous allons écouter M. Belmadi. Puis, juste après, nous allons regarder Espoir Attitude, comme d'habitude. Et avant de vous quitter, je tenais à remercier Idilou Nour Ibrahim Younsi Karim Naitou Slimane et surtout vous, nos chers amis, qui nous accordez votre bienveillance. Ah, ça y est. Vous avez terminé. Ah, ça y est, relax. Le, donc, vous allez écouter M. Belmadi, puis Espoir Attitude. Il est préférable. Encore faut-il que les gens fassent. Et prend ses responsabilités. Il faut faire son travail. Je n'ai pas plus à dire que ça. Moi, j'ai constaté un terrain catastrophique. Et ceux qui avaient envie de voir, ils ont vu. Il y en a, ils ont voulu nier l'évidence. Il y a un problème. Inch'Allah, c'est pour bientôt. On a toujours avec le Tomoh, toujours les supporters, les chefs Jazeri, toujours, bien sûr, Damon Ferrasna, Globna, toujours on a cette pensée avant de jouer nos matchs, c'est un atout évidemment de motivation extraordinaire où l'Aibin garde cette pensée avant chaque match. On est au deuxième match, un match important contre un des gros du groupe, un des favoris aussi, ils sont aussi favoris que nous à passer à cette phase de barrage. Mais il y aura un match retour aussi. On va se concentrer sur ce match-là, on va le prendre au sérieux comme on prend tous les matchs, avec comme objectif de l'emporter. À propos de cette équipe du Burkina, on a bien préparé ce match-là, comme d'habitude, Inch'Allah. Ils ont pris les séances ont été studieuses. On a bien vraiment bossé là-dessus. Et voilà, il n'y aura pas de. Cette équipe n'a pas de mystère pour nous. En tout cas dans l'observation, dans l'analyse des différentes. Les différentes lignes, du jeu, de leur philosophie, de leur système, bon, tout ça on l'a analysé. Après, quand on arrive sur le terrain, ça reste autre chose. Mais voilà, on a préparé le match au moins aussi bien que d'habitude, voire mieux. Autre quelqu'un d'autre ? Skandar Atmani a ouvert le bal en s'imposant aux 400 mètres T13. Il a battu au passage le record du monde de la distance. Record du monde également au lancer du disque féminin pour Safia Djellal, qui s'adjuge haut la main la médaille en vermeil avec un jet de 11,20 m. Ce fut au tour d'Ismaël Boujadal de clôturer cette journée exceptionnelle pour l'handisport algérien, en remportant la médaille d'or du lancer de poids avec un jet de 7,10 m, qui constitue un record personnel pour elle. Avec cette récolte extraordinaire, l'Algérie compte désormais 4 médailles d'or, 2 en argent et 4 en bronze.